Quelle première main, 7 tirs réussis, dont 4 carreaux. Chago, Bido et Choupet qui ouvrent la marque. Marc, 2 points dans cette main, 2-0 donc, contre Didier Chaussetier, Patrick Hervault et Bruno Torel. En tout cas, du bien beau spectacle pour cette finale choletaise. Choupet, 2-0 devant Chaussetier. Le ton est d'ores et déjà donné. On va attaquer.
on vérifie, mais il aura fallu deux boules à Patrick Herbault pour reprendre le point dans cette mène. Au passage, vous aurez pu juger de la maîtrise au tir d'Alain Bidot, qui s'en sort plutôt bien pour un pointeur. Surtout, ne pas oublier qu'Alain a été demi-finaliste des championnats de France tête à tête. C'était à Limoges en 1985.
Un superbe tir de Patrick Hervault pour boucler cette mène. Un point pour la formation de l'Atlantique qui égalise à deux partout. Chausse-pied, Hervault, Torel 2. Chagot, Bidot, Choupet 2 également avec des moyennes de tir déjà significatives. Chagot, 5 frappes sur 6 dont 2 carreaux. Choupet, 4 sur 5 dont 2 carreaux. Hervault, 3 sur 4. Chausse-pied, 2 sur 2 par un carreau. Et Bidot, 1 sur 1. On va attaquer la quatrième mène sur un score de parité de égalité. Et vos applaudissements et vos encouragements pour ces deux équipes finalistes du National de Cholet.